Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne Nupesh Activity. On est parti pour une nouvelle vidéo sur une IA réincarnation. On est parti pour tester notre dernier perso gratuit. Donc en gros, c'était un personnage qui était farmable via les 1 an du jeu de la Jap. Donc forcément, on l'a eu en un temps avec la globale, donc c'est Lars. C'est un celebratory, donc c'est un spécial anniversaire. Donc, au cas où, à ce moment-là, Fio n'était pas revenu. La fresque Fio n'était pas revenue. Donc, je suppose pour Fio, il faudra attendre tous les 1000 mois. Donc, voilà, je sais pas si, voilà. Donc, Fio n'était pas revenu lors de la séquence des 1 an. Donc, peut-être. Voilà. Donc, là, c'était le nom. Donc, là, c'était le perso des 1 an qui était farmable. Tout simplement. Donc, voilà. On est parti pour voir ce qu'il raconte, hein, simplement. Il me dit que je retrouve. Voilà, donc en termes de puissance, franchement, ça va. En termes total force, 20 727. Par 100, c'est assez haut. Je vais comparer forcément au perso de Noël. Forcément, c'est assez haut. Et voilà. Donc, voir ce qu'il raconte. En force, 11 637. Ça va. 57 631 en HP, c'est dans la moyenne. 2930 en attaque, 3112 en défense. Ça c'est équilibré, pardon. Ça c'est équilibré pour l'instant au niveau des attaques et défense, équilibré. Il est 1000 en agilité, 10% en critique, en rate et en critique dommage. Donc, il augmente tous les alliés de la défense par 10% pendant 30 secondes et il donne cure à une statue, donne une alimentation. Donc peut-être il donne du soin en plus. Je pense qu'il doit donner du soin. Un petit peu de soin, donc ok. Ok, donc. Donc à tous les alliés, il donne des HP de par 10%. Ok, c'est un support en fait. Augmente tous les stades d'équipement du feu. Là pour l'instant, ça c'est comme Fio. Elle augmente les armes en dark. Lui c'est dans les mains feu. Ok, voilà pour l'instant, c'est comme Fio. Ça change pas de Fio. Je crois que c'est le personnage. Encore une fois, hein, il est seul. Hein. En total, on a plus 27 000. Franchement, c'est énorme. Oui, il n'est pas maxé, hein, comme on peut voir. Voilà. Golden, en 20 secondes, donne 50% de dommages à un ennemi en 4 coups. Donc, voilà, normal. Il donne 34% de dommages à un ennemi en 3 coups et recouvre 3% de votre HP. Ok, ça donne de la vie. Ensuite, ça augmente les dommages des attaques en feu. Ok, de 13,3%. Faut ça augmenter, on l'a augmenté. Et hop, 16 HP de 5,3%. Voilà, pour l'instant, voilà. Stade à équilibrer. Stade équilibré, donc il donne du soin. Donc il augmente les éléments feu, donc ça fait un peu. Pour l'instant, c'est un petit peu Fio. Ça fait penser forcément à Fio. Voilà.
Donc, forcément, on va tester, hein. On va voir, voilà, il est tout seul, hein. On va le tester, on va profiter de l'événement en ce moment. Tester comme d'habitude, hein, voir où ce qui va aller et faire un petit bot à la fin, comme ça, on garde nos traditions. Hein. Bon, ça, on se rend au niveau des fruits et légumes. Voilà, franchement, je suis surpris pour ça. Bon, d'habitude, quand c'est gratuit, on pense, voilà, c'est moyen, mais pour ça, on est dans le niveau gratuit, mis à part peut-être Argo, hein. Si, peut-être que voilà, c'est pas le top. Mais sinon, pour l'instant, Fio et Rion, tout c'est bien. Il fait comme pas mal, comme de gros dégâts. 100 000 de dégâts. Ouais, donc, il fait très mal. Il fait très mal. Tu remets facilement. Ah bah lui, c'est vraiment des gros dégâts. C'est vraiment le faire tout en gros dégâts. Ok. Bon, ça, en même temps, c'est facile. Hein. C'est le mode facile. Et voilà. C'est le mode facile, donc. Pour l'instant, voilà. Pour l'instant, c'était facile. On va dire, c'est facile. Pour l'instant, on va dire, no comment. Quand c'est facile, on va dire no comment. On va passer aux 18 000. Pour l'instant, il a la puissance. Il a plus de 20 000 de puissance, donc, il a la puissance. Et ben on va remettre des dégâts, s'il prend des dégâts on verra. Est-ce qu'il prend en chair, sachant que sa défense est quand même un petit peu élevé, donc Voilà. On peut s'y contre un petit peu. Okay. Bon, sans tranquille. Ça va, c'est pas des gros dégâts pour l'instant. Encore 30 000 là, 30 000 de dégâts, donc voilà. Pour l'instant, voilà, ça reste correct. Pour un gratuit, voilà. Ensuite, le 30 000, hein. C'est le vrai challenge, le 30 000. C'est le vrai challenge. Pour l'instant, c'est voilà, c'est des petits trucs. Voilà, non, le défi. Qu'il est tout seul, hein. Il n'y a pas de bonus. Hein. Donc, franchement, pour l'instant, les idées des fruits et légumes,
Et mis à part peut-être Argo, toi, c'est peut-être voilà, c'est assez moyen pour l'instant et tout seul, donc peut-être en étant accompagné, ce serait différent, à mon avis. Pour l'instant, là, c'est ce perso, là, en solo, franchement. Mis à part forcément Orion qui est plus défensif. Sinon. On a que ça va, hein, franchement. Plus tard, j'espère avoir les textes. Ah, voilà. Donc, j'espère donc plus tard, j'espère quand même avoir des ex. Là, vous verrez la différence. Hein. Là, les ex, vous allez voir. Je sais pas si dans les ex, il y en a des moins bien ou pas. Je sais que dans les ex, dans les persos ex, il y en a qui sont très forts. Là, il commence à prendre des dégâts, mais ça va, c'est pas énorme. Ça va, franchement ça va. Après faut voir avec les autres éléments, hein, forcément. Moi je vais avoir quelques épées quand même gratuits. Donc il y a moyen que je fasse d'autres tests avec d'autres éléments. Ça sera intéressant. Je vais tester avec des éléments ténèbres, dark, lumière. Je vais avoir quelques. J'ai aussi l'arme en eau, une arme en eau. En eau. Par contre, l'arme, c'est pas un gratuit, l'arme. J'ai quelques armes, quelques épées sont à fond. Et ça, ce sont pas des armes gratuites. Il y aura moyen de tester avec d'autres éléments. Armes, j'ai beaucoup d'épées, je pense. Comment les mettre sur maxé, que ce soit gratuit ou pas. En tout cas, j'en ai une qui est maxée. Donc, il y a moyen qu'on testera plusieurs fois avec d'autres armes, simplement. Pour l'instant, franchement, très correct. Hein. Ça va, il prend pas trop cher, pas en gratuit. Bien sûr, on va faire un petit boss, quoi. Histoire de. Voilà. 35 000, ouais, on va tester. Ça fait pas trop. Franchement, ça va. Franchement, pour des persos gratuits, hein, voilà, on dit, bah, c'est gratuit, bah, ça va être moyen, mais franchement, mis à part Arco, ça va être peut-être le seul, voilà, qui a pas dit, je sais pas. Donc peut-être avec, voilà, bien sûr, c'est une défense un peu boostée, il fera le meilleur stade. C'est la meilleure chose, hein, mais bon. Franchement, Lars, Fio, Rion, ça va dans le top. Après, voilà. J'espère plus tard avoir les ex. Là, vous verrez les ex, c'est un autre monde avec les ex. Pour ça, c'est des persos gratuits. Hein. C'est des persos entièrement gratuits qui sont totalement finis. Voilà. On dit toujours hein, que les persos gratuits, bah, c'est bien, c'est moyen, c'est gratuit, mais c'est souvent moyen. Quoi. Non, vraiment, les ex sont. On n'est pas sous système des ex. Dès que j'aurai Rion, j'aurai le maxé, on la testera quoi. La Rion, en ex, c'est une soigneuse, ce qui est assez bien quand même, c'est une soigneuse. Voilà. Après, voilà. Bien sûr, après une fois Rion, je vais farmer. Je commence à farmer les autres. Parce que je vais avancer un petit peu en mode histoire. Pour ça, il faut que je ferme l'événement en ce moment.
peut-être dans les longs combats, c'est trop long, peut-être. Peut-être mettre un peu de temps à vraiment. Dans les longs combats, peut-être il est pas. Ça va peut-être au top, je pense. Dans les courts combats, je pense, oui. Ce serait bien. Dans les longs combats, je pense pas. Je pense que dans les longs combats, quand c'est trop long, je pense pas. Après, ce qui est bien, il peut soigner quand même. Donc, il donne des soins, donc ça peut être intéressant. Pense que dans les longs combats, je pense c'est plus sur côté support, je pense, ça a été intéressant. Tout seul, voilà. Peut-être, je pense, là, c'est bon, ouais. Bon, ça va avoir un peu de mal, je pense. Pour les combats courts, ça va, c'est bien, mais je pense, pour les longs combats, je pense. Après, on va aller tester, un Manu, quoi. Donc, ouais. Il fera le taf, mais dans les courts combats, oui, mais dans les longs combats, plus compliqué. Au moins, on connaît son défaut. Je pense que c'est plus au côté défensif. Là, c'est peut-être dans les longs combats qui sera moins efficace. Bon, on sait quoi. Donc, sinon, voilà. Le perso reste correct. Maintenant, je vais voir un petit peu les épées que je pourrais tester. Avec le perso. Une fois que j'ai certaines armes maxées. Donc, il y a moyen que je reteste. On testera. Les dire, donc, voilà. Pour l'instant, voilà. Ça reste correct, hein. Voilà, va voir au niveau des épées. Ça va beaucoup plus simple. Donc il y a celle-là, celle de lumière. Il y a celle-là qui est pas maxée. Donc là j'ai deux épées. Celle-ci de là. Il y a celle-là. Je sais pas si c'est. Ok, donc celle-là. Ok, donc ça c'est une carte étoile. Ouais, donc il y a celle-là. Pause. Ça fait une crise de jour. C'est une crise d'étoile. Je dis, j'ai fait évoluer au début, je pense. Que je n'avais pas grand-chose. Ça, c'est une 5 étoiles. 5 étoiles. Et à part cela, donc. Okay. Donc j'ai bel et bien au moins une arme premium maxée. Après il y a celle-là. Je vais la monter. Donc j'ai comme deux lumières. Dans les maxées, donc ok. Là il faudra attendre vendredi. Là j'ai juste des perfs à tester. Avec le perso, voilà. On sait jamais, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Il y a moins d'HP, par contre il gagne beaucoup d'attaques, il y a moins de défense. Voilà, donc je termine cette arme-là. Voilà. C'est cool. Les autres, il faut aller du bon, simplement. Pas dans les autres armes. Dans les gratuits, j'ai ça. Maxi, il y a celle-là.
change pas ça, c'est une case étoile. C'est une case étoile, ouais. C'est une case étoile. Moi je regarde. Je regarde. Ouais. On fait ça. C'est par celle-là. Ouais. Ensuite, il y a les coups de poing. En coup de poing, il n'y a pas grand-chose. Voilà, donc c'est possible que ce vendredi on testera un petit peu plus longtemps parce que pour moi j'aurai au moins deux armes, donc une premium et un gratuit, donc pour tester avec le perso. Gratuit, ben, c'est pas vrai quand même de tester avec un personnage maxé quoi. Forcément, l'arme là cette fois c'est l'arme de 2P que j'ai pas mal monté. Donc, ok, donc voilà. Donc, on va d'abord peut-être tester la free to play. Je vais maxer. Bon, les autres, faudra attendre. Je vais mettre là. Voilà. Encore forcément, il y en a un petit peu moins, mais on verra bien. Je vais la maxer donc, certainement ce vendredi, on testera. On aura deux armes à monter, à tester. On pourrait même mettre les deux, hein, on va voir si ça booste l'attaque. Donc c'est celle-là. Donc là, je pense que c'est une arme gratuite que j'ai formée. Celui-ci. C'est bon, là j'en montrerai dans la semaine. Pas du niveau. Bon, je l'ai montré dans la semaine. Voilà. Donc, c'était le test de. Le test de l'ARS en free to play, donc défarmable via les 1 an du jeu, simplement. Voilà, donc. Voilà, ça reste correct. Donc en parlant c'est peut-être des combats longs, peut-être voilà, tout ce qui est peut-être combat long, peut-être un peu compliqué après. Là tout ce qui est combat long je pense être plus au côté support. Qui va être pratique quand même. Bon, sinon voilà. Là pour l'instant les personnes anniversaires, ça va. C'est pas spécialement des mauvais persos. Voilà, donc on fait des tests. Après faut voir. Dès que j'ai d'autres armes avec d'autres éléments, voilà. Donc là, j'ai d'autres épées à utiliser. Donc, je n'ai pas trop d'armes gratuites et maxées. J'ai certainement une premium, mais j'ai des armes premium, mais bon. Voilà, donc voilà. Donc, c'était ton test. Très sympa. Pour ceux qui ne le feront pas, peut-être faudra attendre les 2 ans du jeu pour peut-être le faire. Parce que, comme lors des 1 an, celui n'était pas là, pas disponible, donc peut-être faudra attendre. Donc, ce personnage, c'est pas plus le farmer, mais il faudra attendre les 2 ans du jeu. Donc voilà. Après, à moins qu'il paraissera lors de la mise à anniversaire, est-ce que c'est possible? Ça faudra voir. Voilà. C'était son test, donc plutôt sympa. Franchement, plutôt sympa. Après, peut-être les combats longs, peut-être ça peut être compliqué, mais. Voilà, donc l'Ars, Fio et
qui rend franchement très correct. Il y a que peut-être Argo, voilà. C'est... Après, il faut s'attester avec deux trames, hein, ça s'en fout. Parce que nous, Argo, ça va. Voilà, voilà. Donc voilà. Aimez, commencez, abonnez-vous et activez la cloche pour pas manquer les prochaines vidéos. Pour les bisous à vous, hein, on se voit certainement ce vendredi. Peut-être on, logiquement, peut-être on aura. Pour le test, on sera vendredi. Je pense que dans la semaine, on devra avoir logiquement l'événement de lire Replicante. Normalement, ça doit arriver. En mon avis, il doit arriver, hein, l'événement. Donc, ouais. Donc, moi, à mon côté, je vais farmer l'événement qui sont arrivés. Voilà, donc, je vais farmer pas mal de tickets. J'étais quand même récupérer l'arme au plus vite. Comme ça, j'étais comme. En fait, j'ai essayé de récupérer l'arme et plus les pierres. Comme ça, je me préoccupe de l'événement qui est en ce moment. Qui est intéressant, quoi. Qui a deux doubles à choper. Donc, ça permet. Je vais essayer d'en avoir plusieurs, en fait, hein, des pierres. Hein. Je vais essayer d'en avoir plusieurs. Prenez bien soin de vous, hein, et à la prochaine.